C'est l'obsolescence programmée. Avant, tu gardais une télé. Bon, elle était en noir et blanc avec gros cul et des coins ronds. Ça, c'était il y a 30 ans. Romano a connu Cédric également, hein, puisque Cédric était jeune dans les années 60. Bah, c'est... Du coup, il a connu même la vie sans télé du tout. Oh oui, car je ne regarde pas la télé. Bah, c'est ça, ouais. Je préfère faire l'amour. Oui. Wow. Ça évite de perdre du temps. Bah, moi, j'aime bien la télé, moi. Donc, il les fabrique exprès cassés. C'est pareil pour les machines, hein, Romano. Ah, machines à laver, tout ça. Bah, c'est ce qu'on appelle, ce que je vous disais, l'obsolescence programmée. Oh, putain, en fait, ils utilisent. Ça prend des mots intelligents le matin sur Skyrock, c'est ouf. En fait, ils utilisent des pièces, ils savent très bien qu'elles vont péter dans pas longtemps, comme ça, bon, les gens en rachètent régulièrement. Mm-hmm. Avant, nos parents, un frigo, ils le gardaient 20 ans. Bah, aujourd'hui, tiens, si tu le gardes 10 ans, c'est bien le bout du monde. Le bout du monde, comme tu le dis. Eh ouais, bon, monsieur. Bon, les iPhones et bon, les iPhone, problèmes d'iPhone pété, une solution ce matin. Ouais, bon, c'est l'iPhone, le truc pété principalement, c'est l'écran. Hein. Ouais. L'écran, bon, c'est vrai que le truc, tu le fais tomber une fois en général. Ouais, c'est ça ne pardonne pas. C'est vrai, ouais. C'est le coup fatal. Eh bien là, une entreprise vient de créer l'écran protecteur révolutionnaire qui s'appelle Shield. Mm-hmm. C'est épais comme trois feuilles de papier, donc très très fin au final. Et en fait, ça résiste jusqu'à un coup de marteau. Par exemple, ils garantissent que si tu fous un coup de marteau dessus, l'écran ne pètera pas. Voilà, si tu fous un coup de marteau dessus et que l'écran pète, ils te font quoi? Ils te remboursent? Bah, ils te remboursent, ouais. Et il y a également, ils disent que ça résiste au béton. Au béton, et si tu le fais tomber sur des briques, pareil, ça résiste. Ah ouais. Et ça coûte seulement 23 euros. Très bien. Alors, ce matin, voilà, le marteau. Bien. Je suis équipé. Ah, voilà, il y a les travaux là. Il y a les travaux là. Alors on va aller tester ça chez les familles. Je vais aller vendre de la protection iPhone chez les familles. On va chanter d'abord. Et oui, c'est l'heure des conseils pas chers. Oui, chantons les amis. Allez. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Les conseils pas chers. Qu'est-ce qu'il a le bras du hip-hop? C'est les conseils. Les conseils pas chers. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que l'équipe a bien chanté. Alors là, bravo l'équipe. Vraiment, merci, félicitations. Merci. Ah ouais, parce que moi j'ai trouvé ça catastrophique. Ah non, c'était c'est magnifique, toi, c'est toi là. On a tous entendu, c'est lui. Hein. Ah ouais, je suis hip-hop. Bon, bah de toute façon, maintenant je crois que je vais me faire des solos. Désolé. Bon, un peu de concentration. J'arrive avec mon écran protecteur. Au pire, je refourque des iPhones. Bon, je vais voir comment ça va se passer avec les familles. Bon, on est tombé sur des sites, c'est les gens qui ont des iPhones ou qui rechargent des iPhones. Allez. Ouais, c'est allez. Parti. C'est parti. Bonne chance, Romano, à 6h10. Ah. Premier conseil pas cher. Allô? Bonjour, monsieur. Oui. Kevin? Oui. Oui, bonjour. T'as un iPhone, toi? Non, j'en cherche un. Ah, t'en cherches un? Parce que moi, je voulais te vendre un écran protecteur. Ça te dit pas? Non. Ah, et si un iPhone, tu recherches lequel? Le 4S. Ah, le 4S, bah, c'est parfait, Cédric, t'en as un? Ouais. Ouais, bah nickel. T'as un 4S, ah, bah, t'as un budget de combien? Ben, en fait, moi, je suis mineur et j'ai pas beaucoup de sous. Ouais, mais bon, c'est pas grave, hein, mineur ou pas, moi, je peux te revendre un iPhone. Oh, hein. Le pauvre, il travaille dans la mine. Non, il est mineur, il a moins de 18 ans. Comme c'est triste, moins de 18 ans dans la mine. Mais non, Cédric, pas de panique. Oui, ne pleure pas, Cédric. Attends, excuse-moi, je suis avec un ami débile. Quelqu'un, quoi, il est fou, lui. Voilà. Allô, Kevin? Ouais. Ouais, t'as combien d'argent? J'ai 200 balles, je crois. 200 euros? Ouais, bah c'est nickel. De toute façon, l'iPhone il est pas à moi, donc vas-y, ouais, pas va de problème. Aller, c'est bien, quoi. C'est bien. Bah, tu participes ce coup-ci. Bon, bah écoute, Kevin, comment on peut faire? Je peux passer chez toi dans la matinée là? Sinon, on se retrouve au centre-ville. Attendez. Ah, il est beau, il est tout neuf. Hein. Bon, il est un peu gras, faut le nettoyer parce que. Désaffecté même, je crois. Ouais, c'est de passer à l'eau de Javel, mais ouais, sinon, bah, par ça, il est nickel. Hein. Bon, Kevin, ce que je fais, c'est que tu réfléchis, puis je te rappelle dans la matinée, là. Ok? D'accord. Ok, bah, tout à l'heure, l'ami. Bon réveil, Kevin. Bon réveil, hein. Merci, Cédric. Ouais, à tout à l'heure. Merci, bien, Cédric, pour ton iPhone. Ouais, ah, regarde bah, la pêche. C'est bien. Puis c'est bien si Cédric, il comprend rien. Un iPhone 4S, ouais. Je le demande. Bon, un autre. Allez, bah, un autre, ouais. Voilà, vous l'avez testé, réponds-lui. Allez. Ouais, j'espère qu'il va répondre pour toi, Romano. Attention. Un iPhone. Un écran protecteur d'iPhone. Oui. Alors. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, vous êtes bien la propriétaire d'un iPhone. Oui, parce que je recherche un iPhone 4S. Ah, bah écoutez, ça tombe bien, parce que j'ai un ami qui en vend un, il s'appelle Cédric. Oui. Oui, et donc vous aviez un budget de combien, vous? Parce que là, il est quasi neuf, hein. Non, parce que mon mari disait 250 euros, lui, qu'il cherchait. 250 euros? Oh, on va peut-être, ouais. À 300, on peut monter, peut-être.
Non, justement. Ah, 250. Il y en a pas mal qui sont à 300, et même, c'est vrai qu'ils ont du mal à vendre ceux déjà à 300. 275. Bon. Ah, écoutez, je verrai avec mon mari, mais parce qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, là, qui... Ouais, mais c'était déjà moi, en fait. Moi, je me lance dans le business de l'iPhone. Mmh. Mmh. C'est iPhone tombé du camion, volé, et compagnie, quoi. Ah ouais, mais non, moi, c'est pas ça que je veux dire. Ah non, mais ils sont en parfait état, hein. Oui, mais bon, je comme veux pas comme ça, quoi. On est pickpocket. Ouais. Donc on les prend, ils sont pas cassés ni rien. Hein. Mmh. Nous on les remet comme à neuf. Hein. Mmh. En plus sont débloqués. À ce moment-là, je peux même vous le faire à 200. C'était super, c'est vrai. Voilà, t'as bloqué la dame. Ah bah bien joué. Allô madame. Oui. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai un ami débile avec moi. Parle bien toi. Bon, écoutez, ce que je fais, c'est que je vais passer chez vous. Là, je suis pas loin, je suis à 10 minutes même pas. Bah non, parce que je vais partir là. Non, non, mais. Il n'est pas là, c'est lui qui est concerné. Il vient à quelle heure le bonhomme? Il vient sur le coup de midi. Hein. Ah bah à midi, je me pointe. D'accord. Comme ça, je mangerai avec vous, j'ai faim. Ouais. Ah bah à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Eh bah voilà. C'est parfait tout ça, dit. J'ai vendu l'iPhone de Cédric, en plus, je me fais payer à bouffer. À bouffer, gratuit, cher. Ah bah c'est royal. Très bien, d'ailleurs. Merci à Cédric pour ta super participation à ses conseils pas chers ce matin. Bah de rien. Mais j'aurais plus de téléphone. C'est pas grave, les conseils pas chers ont été réussis, c'est le but. Merci en tout cas, merci de ta participation. Bravo. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Romano, oui, pourquoi pas du con aussi. En effet, pourquoi pas, tiens. Oui, on pourrait. Bon, on va y réfléchir pour ce matin-là. Dans un instant, invité mystère et soleil à gagner, les allers-retours au soleil, c'est pour vous. Bon, petit tour au soleil aussi, on va à Marseille, là. Ayam sur Skyrock, vous avez promis un petit Ayam. Le voici, c'est Petit Frère sur Skyrock, 6h15. Enfants, vous avez des petits frères, vous êtes babysitter ou babysitteuse. Eh bien, j'ai peut-être la solution miracle. Et vous voulez gagner de l'argent, bah c'est l'heure des grâce conseils. À un anglais. Grâce à un anglais. Ouais, l'idée vient d'Angleterre. Et les idées internationales arrivent. Yes. Allez, c'est parti. Allez, chantons. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils pas chers. C'est les conseils. Quelle est cette idée géniale alors, qui a germé dans ton cerveau chauve? Eh bien, c'est Black Wilson qui s'appelle. Wow. C'est un père de famille anglais et en fait, il a fait un peu le buzz sur le net. Sa vidéo a été vue des millions de fois parce qu'en fait, lui, il a un gosse. Bon, le gosse est un peu insupportable et pour réussir à le calmer, en fait, pour l'éduquer, il se déguise en Batman. Donc, bon. Ça terrorise le gosse, c'est super. Super. Le gosse adore. Le père, quand le gamin il fait trop de bruit ou il crie, il fait ouh, je suis Batman. Et le gosse est terrorisé. Et n'empêche que ça marche, ça fait rire tout le monde sur le net. On vous mettra le lien de la vidéo. Ah et oui. Donc ce matin, j'ai décidé de monter ma société qui s'appellera Bat-Nounou. Bat-Nounou, je note donc. Hein. Bonjour, je suis Batman. Salut Batman. Comment allez-vous? Ça va bien et toi, tranquille? Wesh, la famille. Oui, ouais. Tranquille. Alors, donc on va appeler des familles qui recherchent une nounou. Difool, tu vas être ma secrétaire, t'es la secrétaire de Batman. Oh, j'ai trop de la chance ce matin. Oui, tu es ma secrétaire, je suis Batman. Allez, c'est parti. Oh, je suis Batman. Oh. Ah. Oui. Oui, bonjour madame, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Je vous appelle, c'est pour le... Je suis tombé sur votre annonce, hein, pour la nounou. Oui. Et vous cherchez une nounou? D'accord. Oh, mais j'entends le petit derrière. Je suis Batman. Il est là? Oui. Ah, il a l'air mignon. Comment il s'appelle? Clément. Il a fait Hatchoum. Il a l'air calme. Le petit Clément. Il est très calme. Oh, très bien. On va lui refiler Batman. Je vais vous passer Batman car nous sommes une entreprise de nounous qui garde les enfants avec un super héros. Les enfants adorent. Bonjour madame, je me présente, je suis Batman. Oh, le gosse, l'enfant adore. Allô, bonjour madame. Madame? Oui. Oui, bonjour, je me présente, Batman. Je suis la nounou de ton fils. Oui, je suis Batman. Oh, je suis chauve, j'ai une souris, je suis une chauve-souris. Oh, mais il a la tête à l'envers. Oui, il a la tête à l'envers, les jambes en bas, les jambes en l'air. Ça, vous savez, les enfants adorent. Excusez-moi, là, c'est pas trop marrant, votre truc. Donc, Ah, parce que vous êtes plus d'enfant, vous, eh oh. C'est normal, hein. Je suis Batman quand même. Parle autrement, bon, mon man. On va arrêter là, merci beaucoup. J'ai Superman en stock si vous voulez aussi. Oui, bonjour, je suis Superman. Wow. On se livre. Parti.
Ah ouais. Oh, t'es parti. Oh, je suis Superman et Batman. Oui, j'ai bien vu. Bon, elle est partie, Romano. Désolé pour ton conseil pas cher. Je ne suis pas Romano, je suis Batman. Oui, non, mais c'est bon. On est parti. Non, je suis Batman, mais regarde, je suis accroché au plafond. Oui, tu vas tomber d'ailleurs, fais gaffe. Oui, allez, j'en veux un autre. T'en veux un autre? Oh, oui, car je suis Batman. T'en veux un autre? Ouais, et ouais, Batman fait ce qu'il veut. Allez, j'ai un dit. Je suis Batman. Allez, on y va, on y retourne. Ah oui, Batman. Laissez-moi me concentrer. Allô. Oui. Oui, vous êtes Amandine. Oui. Bonjour, c'est vous qui recherchez une nounou pour votre enfant. Oui, tout à fait. Eh ben voilà, ça tombe bien. C'est Bat Nounou au téléphone. Je vous appelle entreprise de nounou agrégée par le ministère de la Santé et de la Famille. Oui. Et elle a quel âge votre enfant? Elles sont trois. Ah, elles sont trois. Très bien, parfait. Oui. Parfait, parfait. Trois fois plus. Oh merde. Quelles âges elles ont? Je suis Batman, mais bon. Elles ont quel âge? 3 ans, 7 ans et 10 ans. Parfait, elles vont adorer. C'est la première entreprise de nounou qui travaille avec des super-héros et j'ai ce matin avec moi Batman. Bonjour madame, je suis Batman. Batman est là, mais pourquoi tu as la tête à l'envers encore? Bah, je suis une chauve-souris. Ah oui, c'est pas. C'est pour amuser les gosses. Les enfants adorent, hein. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, je suis Batman. Dites-moi bonjour Batman. Bonjour Batman. Oui, bonjour. Bonjour ma grande, tu as quel âge? Ah, il sait bien faire avec les enfants. Ah. Quel âge as-tu? C'est sympa votre blague là, mais j'ai un peu autre chose à faire, il faut que je m'en occupe. Ah, mais nous on arrive hein, pour s'occuper des enfants. Ah bah là tu t'occupes plus de rien. Hein. J'arrive avec ma Batmobile, vroom vroom. Moi je suis Robin. Ah, je suis Robin, le copain de Batman. Ah tiens Robin, ça tombe bien, j'avais une grosse envie là. Bon, on vient vous voir. Robin, ramasse la savonnette. Ah oui. Allô? Allô? Et non. Allô, Batman. Bon, désolé Batman. Oui, ben je repars. Bah, tu repars dans ta Batmobile. Oui, Robin, tu viens avec moi? Bon, voilà une petite idée qui vient d'Angleterre pour les conseils pas chers. Prochain conseil pas cher dans moins d'une heure. Oui. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. Romano, oui, pourquoi pas du... Allez, chantons tous ensemble. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Arrêtez de faire n'importe quoi, c'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est elle, Romano. Ma voix s'est cassée. Excuse-moi, Cariole, mais c'est elle qui a fait foirer. Putain, c'est pas possible. Tout le temps ça. Tout le temps. Non, mais puis Cédric qui arrête pas d'hurler, lui. Là, je hurle pas. Faut le faire léger, tu vois, rythmique. Léger, comme Romano. Avec le ventre. Alors. Ouais. Là, l'autre, ça va pas nous cracher une huître non plus. Sale. Bon, est-ce que je peux être au calme pour mes conseils pas chers? J'ai besoin d'une certaine concentration. Oui. Pour escroquer, il faut être concentré. Attention, direction. Attention, si vous êtes dans le 43, dans la Haute-Loire, là-bas, un gang tourne. L'arnaque à la panne d'essence. En gros, c'est vous allez croiser quelqu'un au bord de la route, il va vous dire oh, je suis en panne d'essence, est-ce que tu peux me dépanner quelques euros? Je te les renvoie par la poste pour te rembourser. Bon, bien entendu, il y a des gens qui se laissent savoir, qui donnent l'argent et jamais ils reçoivent les sous quoi. Ah bah ça oui ça. Oui, bah, et donc ce matin. Vous auriez pu s'en douter dès le début, mais bon. Vous savez pas ce qui m'arrive? Non. Je suis en rate d'essence. C'est pas vrai, Romain. Si. Plus d'essence dans ta petite voiture. D'ailleurs, Cédric, il va falloir que tu me dépannes. Ouais, il faut que tu me donnes 200 euros parce que j'ai une grosse voiture avec un gros réservoir. Ah bah, grave. Regarde, démarre pas, Cédric. Ah, bon, c'est. Vas-y, appelle. C'est la panne sèche. Allez, j'en appelle. On appelle qui? Là, on va chez Christian. Allez, on va chez Christian. C'est parti. Ouais, ça démarre pas. Ouais. Oula. Ça démarre pas. Ah. Allô? Ouais, Christian? Oui. Ouais, comment vas-tu, mon vieux? Bah, on fait aller. Dis voir, là, il m'arrive une galère, là. Je suis pas loin de chez toi, là. Je suis tombé en rade d'essence, là. Ouais. Ouais. Tu pourrais me dépanner de 20 euros? J'ai pas pris un rond, j'ai oublié mon portefeuille. Je suis parti la tête dans le cul ce matin, là. Ouais, ok. Ouais, bah écoute, je peux arriver dans 5-10 minutes, là. Ouais, ok. Le temps que j'arrive à pied, là, je fais petit footing. Et je récupère les 20 euros. Oh, il est content. Bon, bah j'arrive, mon mignon. Ok. À tout de suite, ma poule. Bravo. À tout de suite, bisous. Classe. Bravo. Bravo Romano, putain du premier coup. Ouais, normal en plus, le mec. Ouais, moi bon, juste attends et tout. Ouais. Et voilà. Vas-y, encore. Encore. Vas-y, on va chez Thierry. Attends, ouais, on va chez Thierry. Si belle lancée là.
Soit, attention, faut être sérieux parce que t'es triste, ta voiture, je te rappelle, elle ne... Oui. Ouais, Thierry. Oui. Ah, comment vas-tu? Ça va. Ah, ça, je te reconnais bien là, t'as une si belle voix. Oui. Oui, oui, oui. Oh, oui, oui. Ça, oui. Ça, on te dit souvent que t'as une belle voix. Oh là, mais Thierry. Oui. Ouais. D'ivoire, là, je suis pas loin de chez toi, là. Il m'arrive une galère, je suis tombé en rade d'essence, là. Oui. Ouais. Est-ce que je pourrais venir chez toi pour que tu me dépannes de 20 euros? Ah, oui, oui. Ah, bah écoute, je peux être là dans 5-10 minutes, moi, le temps que j'arrive à pied, là. Oui. Je vois ta maison loin. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais de beau, là? Voilà, je suis là, viens. Ouais, viens. Ouais, je viens et puis on fera l'amour après. Pourquoi non. Tu veux lui faire l'amour? Bon, je sais pas, je me disais, on peut faire l'amour. Une envie comme bon. Ça. C'est la voix, oui. Oui, ça m'a excité. Thierry. Thierry. Allô. Ouais. Bon, bah j'arrive dans 5-10 minutes là. Bon, à tout à l'heure. Et à tout à l'heure, merci, hein, préparez ma balle. Ouais. À tout à l'heure. Ouais, pas de problème. Bip, bip. Et voilà. Et en plus, il a une voix trop sexy. Oui, c'est moi, c'est Thierry. Thierry, t'as pas de problème au nez? Non, pas du tout. Non, moi. Parce que j'ai un ami, il a un problème aussi. Hop, me revoici. Mais de qui parles-tu? C'est quoi le problème? Cédric, il y a des crottes. C'est ça, ouais. La classe. C'est vrai, en plus. C'est marrant, ce matin, on n'a pas parlé pipi, on n'a pas parlé rien. Et Romano, on arrive avec des crottes. Voilà. Des crottes de nez, par contre. Ah, d'accord, ça change. Ah, ouais, ouais. Il est 8h15, l'iPhone 5S. Il est à gagner. Dans un instant, je t'apprends Michael Jackson. Un petit Billie Jean. Allez. Skyrock, les conseils pas chers de Romano. T'inquiète pas, mon gars. Et je vais au commissariat, je vais trouver ta numéro et je vais te péter les dents.